Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est une vidéo assez particulière. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir un aperçu de la saison 2 du monde de Niv avec un livre audio sur un PNJ récurrent. En effet, le monde de Niv revient à partir de ce mois de décembre. Vous aurez ensuite deux épisodes par semaine, chaque week-end, pendant au moins un mois. Cette saison est assez particulière car les 6 premières sessions ont été joués avec 4 joueuses. Mais pour la suite, les aléas de la vie ont fait qu'une des joueuses a finalement quitté la campagne. J'ai donc été obligé de remanier le scénario pour recréer de nouvelles alchimies entre les personnages qui restaient et celles qui venaient. En tout cas, j'espère que cette saison vous plaira, et je vous laisse à présent avec ce livre audio de Niv sur Simon Stellan, avant qu'il n'embarque pour sa mission diplomatique. Dans une chambre de la Cité des Fleurs, la plus grande maison close de tout Opalia, Simon s'avança vers sa concubine d'un soir. Il caressa sa chevelure bleutée, cyan et violet, avec sensualité. Jézabel soupira tendrement et commença à caresser la musculature parfaite de l'amiral impérial. « Tu es aussi tendre qu'un loukoum ce soir » murmura-t-elle. « Tu prépares une expédition ?» Simon souffla dans sa fine moustache, parfaitement rasée. Il déposa plusieurs baisers sur les épaules de la fleur dorée et, marmonnant comme un enfant qui n'avait guère envie de répondre, « Oui, mon frère, l'empereur m'envoie. Les îles nordiques des fées. Mission diplomatique. Oh, il faut donc que tu fasses le plein » susurra-t-elle avec espièglerie. Simon replaça une mèche rebelle pour mieux l'embrasser et recouvrir de tendresse le corps imposant, épais, mais doux et huilé de Jézabel. « Tu sais toujours comment me combler. Tu dois avoir un fort pouvoir d'envoûtement. » Elle ricana et lui pinça gentiment les lèvres en riant. « Tu sais bien que tu es l'un de mes seuls clients à connaître toutes mes facultés. » affirma Jézabel en replaçant une carte de tarot qui dépassait à peine sous son matelas. Sur cette carte était enfermée une créature qu'elle avait enfermée dans sa jeunesse, à l'Académie Magique de Baladim. Cette créature, assez rare, voire unique, avait semé le trouble dans un petit village, et elle avait réussi à le capturer dans cette carte, grâce à son pouvoir. Elle se servait aujourd'hui de l'une des capacités de son prisonnier pour amplifier psychiquement le plaisir de ses clients. En effet, la carte dégageait des phéromones aphrodisiaques et, couplée au charme naturel de Jézabel, ses clients ressortaient toujours comblés et ravis de leurs échanges nocturnes. Ils continuèrent de s'amuser ensemble toute la nuit, atteignant le nirvana et s'endormant blottis l'un contre l'autre. Mais Simon était loin de se douter que cette nuit de luxe et de plaisirs intenses sera la dernière avant très longtemps.